La Comment? formulation recouvre l'ensemble des savoir-faire nécessaires au développement de produits relevant des différents secteurs de transformation de la matière. Le formulateur va donc mélanger des matières premières pour arriver à un produit qui répond à un cahier des charges. Nous avons la volonté d'insérer nos apprentis dans tous les secteurs de la formulation. Nous travaillons donc en partenariat avec des entreprises qui relèvent de différents domaines comme LVMH ou L'Oréal pour la cosmétique, Servier et Sanofi pour l'industrie pharmaceutique ou encore Chinson, Soprema, Griffin ou Chryso pour le secteur des matériaux. En plus des enseignements courts et des TP classiques, donc, les étudiants ont 150 heures dédiées à un projet. En petits groupes, les apprentis vont pouvoir avoir accès au laboratoire pour tester leurs formules, passer des commandes. Ils ont toute latitude aussi pour prendre contact avec des fournisseurs ou des professionnels pour les besoins de leur projet. À leur échelle, finalement, ils réalisent le travail d'un laboratoire R&D. Le campus universitaire orléanais est très agréable, avec un accès facilité au logement. Et finalement, ce campus est très proche de la région parisienne. Tout candidat à Bac plus 2 avec des connaissances de base en chimie. Ce qui me plaît, c'est la multitude de domaines qui sont balayés dans cette licence, c'est-à-dire autant de la pharmaceutique, on s'attend beaucoup à faire de la cosmétique et uniquement, mais non, en fait, en réalité, on fait, il y a du ciment, il y a certaines personnes qui font de la peinture, enfin voilà, on balaye un nombre de domaines assez gigantesque et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette licence. Je fais de l'alternance parce que ça nous permet d'avoir un an d'expérience en fait, d'expérience professionnelle, et ça permet aussi de mettre en pratique ce que l'on fait en cours. Le point fort de cette formation, c'est le fait que tout au long de l'année, on a un projet qu'on doit effectuer de A à Z par groupe de 8 élèves et on le fait vraiment totalement, c'est-à-dire on travaille autant la formulation que tout le côté marketing qui va avec. Ce n'est pas concentré sur un seul domaine, en fait, il y a une multitude de domaines et c'est ce qui m'a plu en fait. Je voulais pas rester vraiment ancrée dans un seul des domaines. Alors je travaille chez La Bouche Rouge Paris, notamment dans leur labo qui se situe à Semois. Et donc du coup, je formule des rouges à lèvres et je travaille également dans la recherche dans ce domaine-là. Je travaille chez Griffin Induction qui se situe à Nucourt dans le 95 et je travaille donc sur les pigments, les nacres et les encres qui sont intégrés dans les formules de tissu enduit.